Ah ouais, bah c'est un cheval qui est au boulot, qui est capable de faire les injections des bons chevaux. Hein. Je pense que c'est prévu pour courir le critérium avec lui, pas ni Manguel, ni Bouclier d'Or. Moi, je ne sais pas, c'est ce qu'il m'a dit Philippe il y a 15 jours. Est-ce que celui-là fait partie de ceux que tu as eu de meilleur? Ah ouais, celui-là, il a la moelle, il encaisse le travail, il évolue bien, il a un petit peu de poids, on arrive à l'alléger gentiment. Ouais. Est-ce que tu mesures la chance que tu as d'avoir un cheval de ce calibre? Tous les jours, je le mesurais déjà avant la course. Non, mais la dernière fois, j'étais un peu trop sûr quand je suis battu. J'avais dû attendre au maximum, j'avais envoyé un peu trop tôt, mais ça peut arriver, tu fais une erreur. Donc ça, je sais pas, elle va partir au club, mais elle va se faire masser là. J'ai le dos d'univers de penche, je suis obligé de le suivre dans le dernier tournant. Malheureusement, Anthony Barrier, comme il sait faire, il me met à 4. Cher ami, j'ai un caméraman aujourd'hui. Ah, est-ce qu'il est aussi bon que toi? Oh, c'est gentil, oh là là là. On était en pleine en 15-8, c'est-à-dire le temps d'une petite course de série. C'est presque la course que tu voulais faire à la base, non? Ouais, mais je pensais qu'on les entraînerait un peu plus quand même. Est-ce que c'est un cheval qui te fait rêver, Philippe? Oui, parce que bon, moi j'ai quand même pas jamais eu de chevaux de ce niveau-là. Faut qu'on voie le logo comme les sponsors, tu vois. Comme ça. Je vois plus la télé. Mais si, on s'en fout. Quel est ton favori pour le prix d'Amérique? Bah, c'est plus compliqué là. T'as parlé, toi? Vas-y, let's go. JR, quel est ton favori pour le cornu? Je pense que First Duret, c'est une belle chance dedans. Comme Thiago Détang a fait une super valeur dernièrement, maintenant il semble assez ouvert. Singalo aussi a fait des bonnes performances dernièrement, mais bon, après, Thiago Détang quand même a fait une bonne valeur dernièrement. Ton favori pour le prix d'Amérique? Reggie Cash. Pourquoi? J'aimerais bien avoir une saillie. Tiens, Fifi, si tu m'entends. Là, on l'enlève parce que sinon, elle regarde. Sinon, il va le manger, la caméra. Il y en a encore un autre qui suit. Nathalie a... Je regarde, attends, on commence. Tu regardes où tu veux. Il y a moi qui suis. Yoann, il paraît que tu parles pas à la presse, mais bon là quand même, c'est l'occasion rêvée. C'est un cornuier quand même, on n'en gagne pas un tous les... Ça s'est bien passé la course quand même, il n'y a pas eu de problème. J'ai vu personne. Ouais. 6,5 en pleine, tu t'es pas posé des questions? Non, c'est normal, hein. C'est, des chevaux, c'est les meilleurs chevaux quand même. Ouais. 10, 9, 8. Bye.
Allez les gars, viens avec moi. T'as vu avec quoi je cours le jour des grands jours? Avec ça. Non, très déçu, si je peux sortir et gagner. Non, ben non, elle court super le jument. Ça a toujours été un super cheval. Le problème de ce cheval-là, quand vous courez un coup à réclamer, un peu comme Torrens Vezaké qui a dû gagner des groupes 2 ou quoi, on se rappelle que de la course à réclamer, on diminue la valeur des chevaux. Nico, un semi classique dans la poche. Allez, encore un. On n'a pas gagné 50, mais ça fait toujours plaisir. Il part au trou et qu'on n'est pas à 50 mètres en pleine, donc non, il l'a pas loupé. Mathieu, je suis content pour lui. Félicité par le copropriétaire. Ouais, bah c'est gentil, mais on voit toujours des chevaux qui me sont bien utiles pour moi. Allez, vite fait, hein, j'en ai pas pour longtemps. Hein. Mathieu, Alcabon, c'est pas un dandy? Non, un bandit, il y a des fois, il a des façons de faire un petit peu spéciales en partant, surtout. Donc demain, c'est une vente un peu spécifique puisqu'il s'agit d'une part exclusivement dédiée au... excusez-moi. Mais non. Quel placement pensez-vous qu'il y aura beaucoup va obtenir? Vous avez dit très simple. This is Aide Turf. How are you doing? Hanna Olofsson from Boden. Yes, that's me. Hello, people. Oui, TF. Et des éleveurs aussi. Ça marche, hein? Ça marche. C'est pour les bénitiers ou pas? Aide Turf, c'est vraiment de la balle. Oh, yeah. C'est nickel. Patrick Schwartz is never lose with the nose. Ça, c'est un très bon entraîneur qui a gagné 700 000 euros de gains en France, Allemagne et Norvège. Et il dit que mes chevaux ne seront jamais battus par une nez. Et tu comprends pourquoi. Les gars, on d'ailleurs, on t'appelle Serge les statuettes. Bah, c'est vrai qu'on m'appelle statuette. Ça me plaît pas trop parce que c'était plutôt féminin, statuette. Je dirais qu'on m'appelle de... Je sais pas. Raccoupé, on a fait. Oh, tu fermes la porte, Yann, s'il te plaît, parce que j'ai pas mis ma ceinture. Après, ça s'est bien passé quand même, quand Julien s'est retiré.
Non, sur ce podium, c'est magnifique. Je fais pas la bise, t'es tout noir. Il est dans une question, il est tout black. Thank you very much. Thank you. J'ai repris, je suis ressorti au bon moment et elle a été très bonne. Bon, t'as fait l'américain quoi. T'as pas un maquillage là? Je sais pas trop si c'est vraiment la fin ou quoi, je sais pas. Voilà. Bon, c'est sûr que maintenant c'est, il est plus près de la fin que du début, mais. C'est dommage que ça arrive ce jour-là. Ouais, on peut le trouver gratuit. Ça tourne. Hein. Non, pour faire une performance comme c'est ça. C'est la première fois de l'année 2014 qui mène bien. Le terme de vitesse, après on vient en Finlande. La Suède. On est reparti pour un tour. Non, mais pas en Suède, moi je veux pas. Là, c'est sûr. Non, non. Merci. Ça arrive. Ouais, ça s'est bien passé quand même, quand Julien s'est retiré, ça s'est bien goupillé quand même. Soyez prévenus, dès qu'une vidéo est postée, en vous abonnant gratuitement sur Facebook à 2 heures, YouTube à 2 heures, et bien évidemment Twitter, Yann à 2 heures. Vous avez également la possibilité de nous regarder sur le site à 2 heures.com bien évidemment.